Et salut à tous, c'est Doublou, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire le système de suspension de ce véhicule, que je vais faire spawn tout de suite. Alors, Trophy, il est là. Donc comme vous le reconnaissez sûrement, il était dans la vidéo précédente. Voilà qui fait laguer, et je vous montrerai le système de suspension qui est ici. Là, on va lever un peu. Voilà, celui-là. Mais cette fois sans lag. Donc je vous retrouve dès que j'ai tous les outils en main. Allez, à tout de suite. Et re, donc on se retrouve avec tous les outils en main. Alors, on va d'abord commencer par faire la base d'un véhicule. Alors, je vais faire qu'un seul côté. L'autre côté, si je le ferai en accéléré. Donc, on va prévoir un peu de jeu, de marge. Donc là, on va commencer à faire les bras. Donc, on va mettre hop, un là, un là. Bon alors je les ai pas peints là parce que honnêtement on s'en fiche un peu. Pardon. Donc voilà. Là on va. Après la longueur des bras c'est comme vous voulez. Moi bon, je vais les faire assez longs. Donc tac. Donc celui-là là c'est là où il va y avoir la suspension. Donc c'est pas comme l'autre, celle-là elle va être un peu plus elle va faire un peu moins laguer, il y aura moins de roulement, c'est pour ça que je mets ça. Voilà la suspension. Après on va venir allonger un peu. On va mettre ça comme ça. Donc là ça va être pour la direction. On va faire plein. Voilà, donc celui-là je fais pas de système de direction un peu compliqué parce que j'ai déjà essayé, c'est super super dur. Mais si j'en trouve un, je reprendrai ce modèle que j'ai fait et je le mettrai, je l'ajusterai. Voilà, donc là ça va être pour la roue. Donc hop, on fait pareil de l'autre côté. On va non, attends, on va agrandir ça un peu, vous allez comprendre pourquoi. Donc l'autre je vous le mettrai en accéléré, l'autre partie. Hop là, donc à l'arrière aussi je ferai le même. Je suis là je ferai un à vitesse normale. Et un au ralenti. Accéléré, pardon, pourquoi je dis ralenti moi. Hop là. Tac, tac. Donc faut vérifier qu'il y ait tout qui est à peu près bien. Qu'il soit bien soudé à certains endroits. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Ici. Ok, on va vérifier. Voilà. Donc après, on va. Le bras qui va servir. Qui va être activé par un contrôleur. Qui va servir à baisser la suspension au moment du spawn du véhicule. Voilà. Je vais voir si y a tout qui est bien soudé. Donc voilà, donc là cette partie est finie. La première partie. Ah non, presque. Est-ce que je l'ai pris? Non. Ah, j'avais encore ça de la dernière vidéo. Parce qu'on est sur la même map. Le contrôleur. On va le mettre là. Donc là, pour que ce soit incliné vers le bas, il faut que ça aille vers le rouge. Donc 1, on va le mettre vers le rouge à la position initiale. On va mettre 30 degrés. Hop, on va enlever du lift. Voilà ce que ça donne. Bon, là c'est parce que ça force un peu. Après, il faut bien ajuster. Voilà ce que ça risque de bugger. Alors, on va ajuster. Je vais réduire, moi perso j'avais mis je crois 15 degrés. Voilà, donc là c'est nickel. Ça force un peu mais c'est les bugs du jeu ça, on n'y peut rien. Donc voilà, donc la prochaine je vous la fais en accéléré. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? La prochaine à l'avant. D'abord on va passer à l'arrière.
Alors l'arrière ça va être quasiment la même, sauf qu'il n'y aura pas la direction. Hop là. Un petit bec de souris là de temps en temps, c'est un peu agaçant. Donc voilà l'arrière après. Je vais prévoir pour l'autre. Tac. Voilà, on va faire. Comme ça. On va venir ici. Alors. Tac, tac. Ouais, donc on va pas mettre de direction, on en a pas besoin. Honnêtement. Donc du coup, on va faire comme ça. Ça, on met directement ça comme ça. Tac, on va souder. Hop. Là, j'ai oublié celui-là. Voilà. Donc j'en profite aussi pour vous demander ce que vous préférez entre une Coop The Forest A4. J'ai déjà demandé, mais je vois que pas grand monde l'a vu. Donc une souris, pardon, une Survie The Forest A4 avec mes amis de la chaîne RL TV Game. Je vous mettrai le lien en description. Ou une série sur Subnautica. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez, vous me dites en commentaire. Et je prendrai celui qui a le plus de commentaires. Bien sûr. Voilà. Donc, on met ça ici. Alors, pareil, contrôleur. Ici. Donc là, cette fois, c'est inversé. Donc, il faut que ça aille vers le bleu pour aller vers le bas. Donc, on va mettre 15 degrés aussi. Hop là. Bon, ça fait un peu beaucoup, ça. Allez. Ok. Donc voilà. Donc là, l'avant et l'arrière sont finis. Il manque plus qu'à mettre les roues. Alors, les petites roues. On va prendre les moyennes roues. Les grandes. Je vais mettre double roue là parce que ça sera plus stable pour le test. Et voilà. Donc la prochaine, on la fait en accéléré et en musique. Donc je vous reverrai bien sûr à la fin de la vidéo pour le test. Allez, à tout de suite.
Et re, du coup, on a fini le véhicule, on se retrouve tout de suite pour le test. Alors, donc voilà, j'ai réglé les moteurs hors caméra. On voit bien le travail des suspensions. Donc, je vais accélérer un peu les moteurs. Hop là. Ah, donc voilà les suspensions qui bug un peu. Ça arrive, c'est un peu embêtant, mais bon. On le prend, on le met sur le lift. Et c'est réglé, voilà. Alors, donc on va tourner. On va aller s'amuser dans les bosses un peu. Donc voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et la prochaine fois, on se retrouve pour soit du Subnautica, soit une survie The Forest. Et comme vous voulez, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Ciao!